Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Je suis accompagné du magnifique, du sublime, du plus grand métalleux que l'univers ait encore gardé, bien évidemment, parmi les siens, Dark Funeral 972. Comment il va, celui-ci? Eh bien, celui-ci va bien, et j'espère que tu vas bien et que tout le monde dans le chat va bien pour cet épisode 25 incroyable! Et eh ben en vrai, on espère que ça va être incroyable parce que là on va rusher un petit peu la story. Alors quand on dit rusher, ça veut pas dire qu'on va nexter, ça veut dire qu'on va avancer. Est-ce que tu te souviens ce qu'on a fait le dernier épisode? Non. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Vas-y, rafraîchis-moi la mémoire. Si je te dis un pétale. Ah oui, putain, le pétale, c'est bon, je me souviens. Voilà, un pétale, bon. Évidemment, qu'on a donné. On a donc sauvé Taitor, cherche pas Taitor, et on est... On nous a pris pour des sorciers vaudous, là, prêts à tout pour soigner quelqu'un, et tout va bien. Et j'ai peur qu'on ne puisse pas ouvrir la porte parce que c'est buggé. Hein, mais tu sais... Elle nous a dit de passer par un conduit, c'est pas là? Alors, est-ce que vous avez joué à Elden Ring, Monsieur B-Boy? Vas-y. Alors, dans Elden Ring, on peut sauter maintenant. Ouais. Et en fait, il y a plein de petits trucs qui font que tu peux aller dans des endroits, mais t'as pas l'impression que tu peux y aller. Genre là, par exemple, regarde là. Tu brises 4 mâchoires, mais tout va bien. Ah, bah pourquoi il nous a dit de prendre une ventilation alors? Écoutez, suivons notre cœur. Ouais. Suivons l'instinct. Bref, le chat, j'espère que vous allez bien, que vous kiffez toujours autant ces épisodes accompagnés de Maître Funeral, évidemment. Tiens, tu sais ça, c'est quoi ça? C'est un fond d'écran. Un écran câble. Mais comment? Ah, bah oui, ils ont rallumé l'électricité. Bah oui. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a joué à la Wii et qui a défoncé son écran là, son Ipsum. J'aurais kiffé qu'on vienne ici, mais avant la cinématique de l'électricité qui revient. Juste pour voir si les télés étaient allumées ou pas. Tu vois ou pas? Ah ouais. Il y a peut-être quelque chose. On est des petits coquins. Allez, on est parti, on va crocheter. Juste pour voir si, tu vois. Là, il y a une lettre ici. Je m'excuse, mais on dirait qu'il n'y a pas de place pour toi dans l'hélicoptère finalement. Je vais essayer de t'en envoyer un autre. Ne t'en fais pas, il fallait que je sauve la collection. Bien à toi, T. Je me suis dit que c'était peut-être un objet de valeur. Il n'y a pas de place pour Jessica. Ok. Mais par contre, quand c'est moi qui lis, ça fait une cinématique, MDR. Oui, moi, on s'en fout. Hein. Ouais, toi, t'es vraiment la pièce ajoutée. Moi, je suis le caca, de toute façon. Hein. Je suis l'accompagnant. Ah là, ici. Oh, mais attends, c'est un setup games? Ville du 18e siècle, ébauche, ok. J'avoue que si le 21e, l'écran de droite pour le petit Discord ou TeamSpeak là. Tiens, y'a un téléphone. Message vocal. Non, ça marche. 17h36. Monsieur Bukowski, votre transport est en route. La collection devrait déjà être sur le toit. Dès que l'hélico sera au-dessus de la ville, on vous rappellera. Tu sais ce que j'aurais kiffé? Une collection? Non. Qu'il y ait un ou deux messages trolls, tu sais, de la famille, c'est ta tante préférée. J'espère que tu vas bien, n'oublie pas de venir me voir, comme tu m'as promis. Et n'oublie pas de nourrir le chat. Mais tu vois, ça aurait été... Et là, tu vois un cadavre de chat dans l'appartement. Ça aurait pas été incohérent et ça aurait été détendu l'atmosphère. Bah bien sûr. Et là, attends, la fufu... reconnaît. Et là maintenant, on prend. Eh mais, en fait, je pense qu'on est beaucoup trop fort. Bon, voilà, On veut trop. Malgré que les gens nous disent que nous faisons preuve de mauvaise foi. Bah oui, c'est évident. Alors, en fait, je sais c'est quoi le problème, Mr. B-Boy? C'est que nous sommes des explorateurs. Et le problème, c'est que je trouve que pour un jeu open world un peu libre, on est vachement. Moi, tu veux que je te dise une vérité qui va faire mal aux commentaires? Je te le dis, ça va faire mal aux commentaires et ça va parler. Qui nous disent qu'on est de mauvaise foi, c'est des gamins de 17 ans, leur seul budget, gros, c'était 50 balles, ils ont tout claqué dans un seul jeu, et ils doivent se rassurer que le jeu, c'est le meilleur. Mais ils savent pas que derrière, frérot, on a un nombre de jeux assez conséquent, hein. On n'est pas non plus les maîtres jeux, mais enfin, on a peut-être des 1000, 2000 jeux à notre actif largement. Et que niveau level design et tout, bon, on a... Voilà. On a roulé un peu notre bille. C'est ça. Et force est d'admettre quand même que ce jeu a énormément de défauts, beaucoup trop dirigé, et que je commence sincèrement à me dire que Daylight 1, dans son parcours et tout, était beaucoup mieux léché. Je suis désolé, c'est un fait. Et tout le monde, la plupart, sont d'accord avec nous. Les gens qui disent, non mais, c'est pas un bug que tu as eu, c'est une flèche que tu as reçue en l'air. Frère, qui met des flèches comme ça en l'air random alors qu'on les voyait même pas sur les doigts? Non mais qui? Les gars, ça n'a juste aucun sens. Un jeu où tu te reçois un damage, d'accord, des dégâts, t'as rien demandé, tu les vois, tu les as même pas vus ni rien et tout, c'est un jeu qui te laisse aucune solution. C'est Far Cry 5 en fait. Tu vois, même Elden Ring,
t'as la possibilité. Là, d'esquiver. C'est... Ben oui, là, c'est inesquivable. Tu reçois ça en l'air. Tu sais pas pourquoi. Tu meurs d'une chute. Ben, ça n'a aucun sens. Et il y a des gens... Non, mais vous comprenez, les développeurs sont fans de Green Arrow, les mecs, ils ont des arcs depuis qu'ils sont tout petits. C'est moi, je garde mon calme, je vais pas insulter les viewers parce que bah, je les aime et sans eux on serait pas là, c'est un fait. Mais des fois, les gars, en fait, vous vous rendez pas compte qu'à surprotéger vos jeux parce que bah, vous y avez mis de l'argent, et ce que je peux comprendre, on l'a mis ça aussi. Ça n'avance pas. Mais ça n'avance pas en fait, ça n'a aucun sens de surprotéger un jeu qui est rempli de défauts. Daylight 2 est rempli de défauts, c'est un fait. Il n'a même pas été conçu pour les consoles, ce qui est dommage. Et même sur PC, il y a plein de gens qui viennent et qui me disent « Gros, c'est un enfer. C'est un enfer. Depuis que l'endurance est pris en compte dans le parcours, c'est terrible. La moitié des trucs, c'est immanipulable. On est… Je sais pas où on est dans le jeu. Je dirais la moitié du jeu, d'accord ? Où est le grappin ? Où est le grappin ? Putain. Tu veux savoir ? J'ai regardé quand est-ce qu'on débloquait dans le jeu. À la tout fin a été détruit. Ouais, dans les 70-80% de... Non mais, les gars, de sa collection. T'es censé prendre du plaisir à faire du parcours. Le grappin que t'avais extrêmement tôt dans Daylight 1, où il est? C'est con. Ok, mais rapidement. Rien ici à part une bouteille de whisky. Je suis désolé, ça gâche le truc. Bon, Daylight 2 n'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un excellent jeu. C'est un jeu bon, avec ses défauts. Il doit clairement être patché dans beaucoup de choses. Et voilà, on verra ce que ça mais va moi donner. Je pense qu'on l'aurait... Moi je pense que ce serait pas en coop, je pense pas que j'aurais fait tout seul. Je pense que j'aurais racheté tout bah, tu sais quoi, je te dis la vérité parce qu'il y a des gens qui disent ça se... Alors déjà il y a des gens, c'est des menteurs. Voilà, on va appeler ça des menteurs. Il y a des gens qui disent, ça se voit que vous prenez plus aucun plaisir à jouer au jeu. Faux, je prends aucun plaisir à jouer au jeu parce qu'il y a trop de problèmes. Mais Daylight 1, on prenait tellement pas de plaisir que les gars on a arrêté le DLC en plein milieu. C'est pour vous dire, c'était donc bien pire. Là, mon vrai plaisir de lancer Daylight 2, je vais être très franc, c'est de retrouver Fufu, les gars. Et je peux vous dire que chaque record, chaque vidéo qu'on fait, c'est un véritable bonheur avec Fufu. Je vous le dis clairement. Et je suis très content de faire cette aventure. Mais le jeu, si je devais le faire tout seul, il est hors de question. Je n'aurais jamais dépassé l'épisode 10. Jamais. Quand j'aurais dit, non mais attends, en fait, pour prendre du plaisir, sincèrement, et ça, je pense que tu peux être que d'accord, il faut 15 heures de jeu. Parce que... Pour commencer à, t'sais, à escalader, pas être une salope de l'escalade. Bah déjà, pouvoir escalader, genre le truc super haut. Voilà. Ne plus avoir de problème de verticalité, surtout que bah, la deuxième partie, là, est vachement c'est verticale. Bah oui, c'est un jeu vertical. Hein. C'est de l'escalade, enfin, c'est du parcours. Mais, les gars, si vous n'avez pas les 15 heures de jeu passé, votre arbre de compétences, votre personnage est flingué. Et le plaisir, clairement, est moindre. Voilà, c'est non, mais et surtout, moi, après, ça c'est une incohérence pour moi scénaristique, c'est que notre perso, c'est un tracker nocturne. Clairement, on le pépon en mode « Ouah, tu vas dehors, tu dois avoir des skills incroyables », et il n'est pas foutu de faire une glissade. Il a fait des centaines et des centaines de kilomètres pour être mais ici. Il peut pas faire une glissade. Après, vous allez dire « Oui, mais il a infecté au début, donc il perd de l'endurance. » Eh les gars, une glissade... Genre c'est con hein, genre par exemple pour passer sous le porche, bah on avait au début, avant de monter ici, genre pour glisser sous des planches et tout, genre la glissade, t'as pas besoin d'avoir 150 d'endurance pour faire une glissade, tu vois. Non mais c'est ça, je suis et je trouve ça d'accord. Vraiment dommage qu'ils aient nerfé le parcours à ce point sous prétexte de faire un espèce de RPG. Et je trouvais réellement, même si c'est quelques années après, je trouvais la ville du 1 beaucoup plus léchée. Beaucoup plus. Il y avait, moins de verticalité. J'ai l'impression et que c'est un moins bordel problème hein, de devoir escalader des bâtiments. Quoi. Voilà, ils sont là en mode bah tiens, il y a des échafaudages, va. Et t'es en mode bah non, il faut d'autres solutions. Enfin, c'est pas. Bon, enfin, bon, bref, on va clôturer ce petit passage, mais c'était 10 minutes où on devait quand même tout vous expliquer. Donc ne vous inquiétez pas pour nous, les gars, le plaisir, on l'a. Se retrouver, on l'a. Et quel bordel, Fufu, ça fait des années, on n'avait pas fait une aventure ensemble. Ouais, les gars, vous inquiétez pas que le plaisir on l'a, et le Fufu, vous allez le retrouver dans d'autres aventures. Bah, en même temps, comment s'appelle le jeu, là? Il était plus en coop, là? Dead Rising 4. Mais... Ouais, Dead Rising 4. Mais derrière, Daylight 2, des fois, les gars, c'est dur. Et vous avez beau avoir acheté le jeu 80 balles et le protéger comme si c'était votre daron qui développait le game design, le jeu est parfois terrible de bugs. Voilà, c'est un fait. C'est dit, maintenant, on a mis à jour tout ça. Tous ces commentaires seront pris en compte et que Daylight 3 sera... gommera ses petits défauts pour faire un jeu incroyable. Quoi. Ouais, parce qu'il y a le potentiel de ouf. Hein. La ville est dingue, l'open world est fou. Allez. Mais il y a juste des petites mécaniques qui font que... Exactement. Il manque quelque chose. Mais c'est ça.
Mais les gens, tu sais, dès que tu commences à dire « Non mais attends, c'est un problème, recevoir des flèches en l'air, que ça soit un bug ou pas, ça devrait même pas être possible puisque ce n'est pas esquivable. » Tu sais, à la limite, t'aurais un sens de l'araignée, entre guillemets, et tu sens que quelqu'un te vise. Tu vois, ouais, je vois ce que tu veux dire. Un truc, une touche, quelque chose, c'est pas esquivable. Donc, en fait, t'as quand même dans le jeu des morts inévitables. Parce que à cause de cette fameuse flèche, je suis mort deux fois. Donc, les gars, vous ne pouvez pas justifier ça. C'est injustifiable, je suis désolé. C'est injustifiable. Même Elden Ring ou Dark Souls, qui est considéré comme des jeux extrêmement durs et impitoyables, t'as des solutions. Et bon. Là, t'as aucune solution. T'as beau être le meilleur joueur d'Dead Light 2 du monde. Et j'ai fini Elden Ring, je tiens à le dire au monde entier. Non, mais tu vois, t'as beau être le meilleur joueur du monde. Ah oui, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est terrible, tu vois. Voilà. Ah bah, j'ai plus d'endurance, je vais mourir. Donc voilà, c'était les petits défauts, mais fallait qu'on mette ce point parce que les gars, vous avez pas été gentils avec nous. Je vais être très honnête avec vous, et surtout avec moi, hein, Fufu, voilà. Y'a rien contre Fufu, vous êtes très content de le retrouver. Mais avec moi, vous avez clairement pas été sympa. Et ça fait 20 épisodes que je ronge le frein, comme on dit. Je mords mes lèvres en mode, non mais... Voilà. Mais au bout d'un moment, les gars, vous pouvez pas non plus délibérément parler comme si vous étiez à notre place. En mode, non mais vous prenez pas de plaisir. Non mais on dirait que Fufu, tu le respectes pas. Non Fufu, mais... Non mais vous voyez ce que je veux dire. Les gars, quand on est dans le jeu, on est dans le jeu. Donc des fois, bah Fufu, il va parler. Et surtout que les trois quarts du temps, je parle pour rien dire. Donc et surtout que des fois aussi, Fufu, quand je lui parle, il m'égoule même pas parce qu'il est dans le jeu. Donc... Il y avait une intro, en plus tu l'avais coupé au montage. Il y avait une intro, il me parlait, il me disait « T'as vu le soleil, il est grave beau et tout ». J'ai fait « Ah ouais, de ouf ». Et en fait, je regardais par terre et j'ai pas du tout vu Et il parlait pas du tout de ça, mais voilà. Et tu vois, les gars, comprenez que... Arrêtez de parler comme si vous étiez dans nos têtes, c'est impressionnant. Et des fois, en fait, vous êtes méchant sans le vouloir. Donc les plus grands méchants et les plus grands qui font preuve de mauvaise foi, bah c'est vous en fait, Tristan. C'est vous. Bah oui, non mais c'est ça. C'est quel meeting où les gens ils disaient ça là? C'est Oh, ça doit être Le Pen, je crois. J'en regarde tellement sur YouTube. Mais tiens, en direct là sur BFM là. Allez, moi j'y suis. Ah bah tiens, il faut que tous les joueurs soient présents, viens. Ah bah tiens, voyage rapide, merci d'avoir escaladé pour moi, monsieur B-Boy. Donc, voilà, le Fufu. Évidemment que je l'aime, c'est mon ref, c'est mon frérot. Les gars, il habite à quelques mètres de chez moi. Hein, c'est pas des lol. Les gars, vous connaissez rien des relations derrière et tout. Évidemment qu'on va se refaire. D'ailleurs, je te prépare une petite aventure en coop. Ah ouais? Ah oui. Est-ce que t'es prêt? Eh, mais tu sais quoi, je le tease ici parce que, les gars, nos vidéos, c'est avant tout là pour kiffer, c'est avant tout là pour décompresser, pour être dans le fun. Donc, allons jusqu'au bout. Les amis, la prochaine aventure que je vais faire avec Fufu, il n'a pas le choix. Vas-y. Ce sera sur. Outlast 3. Non, sans coop? Ouais. Oh, l'enfoiré. Ouais, on va se chier dessus, ça va être terrible. Putain, je savais pas, il sort quand? Il sort bientôt. Prépare-toi. Joyeux anniversaire, Daniel. Oh ah, et c'est pour nous ce petit tease, les gars. C'est une manière d'adoucir un peu ce début de vidéo. Un petit quelque chose pour fêter une autre année sur cette planète. Qu'est-ce que tu me veux? C'est Elden, mon plus vieux. Comment ça? Mais non, c'est nous, Elden. De quoi t'as besoin? Ah oui, c'est vrai. T'as compris, Ekon? La One a dit que c'était ton anniversaire. J'ai dans ma tête, je t'avoue que moi aussi, je me suis dit, attends, c'est Ekon? J'aurais fait pousser la tâche. T'agis comme un tel con. Ah bon, on me reconnaît plus, comment ça? Ouais. Ok. Écoute, joyeux anniversaire. Ah, j'ai perdu le pari. Mais au moins, j'ai quelque chose pour me remonter le moral. Un pari? Peu importe. La One est au bar. Ok. Bah d'accord. Bon, ah, c'est ça le bar, c'est le truc en face. Tu vois, par exemple, pourquoi là, on n'a pas une cinématique, on va directement la voir et on enchaîne le dialogue. Mais c'est ça. Et pourquoi il dit pas juste, bah elle est là? Bah on la voit. Alors, en fait. Eh, hey, La One, comment vas-tu? Oh, La One, on m'a dit que t'étais ici. Elden, t'es venu? J'étais tu m'as invité, tu voulais pas que je vienne ici? Laisse-moi attraper une bouteille qu'on puisse te mettre au jus. Rov, t'es en service, hein? Écoute, tu sais à quel point les choses peuvent être stressantes parfois. Tu reçois tes ordres, ils ont aucun sens. Tu te bats contre la montre pour que tout soit fait. Ah, je te comprends, crois-moi. Alors, t'as réussi. La One a gagné. Gagné? C'est à propos d'un pari. Ouais, avec Danior. Elle était sûre que tu viendrais. Lui, pas tant que ça. C'est presque comme si ça comptait pour elle. C'est inhabituel. Et voilà, Aiden. Bois. Le meilleur alcool de Nicolas. On était sur le point de jouer à un jeu. Non, La One, pas du tout. Allez.
Je me barre. Ouais, comptez pas sur moi. Je suis déjà trop bourré. Quelle belle bande de losers. Tu joues, Aiden? Ah oh bah let's go, hein. Bah ouais. Okay, je veux même pas savoir c'est quoi le jeu. Tant qu'il y a de la gnôle. Les règles peut être drôle, sont simples. C'est qu'on soit bourré après pendant le parcours. Super ça peut être marrant. Ah oui. Soit. Et qu'on se fasse bouffer que ça soit la fin du jeu. Le défi. Ok. Alors si je veux pas répondre à la question, je dois relever le défi. Dans tes rêves. On décide si c'est action ou vérité. Si tu fais pas ce qu'on te dit, tu bois. Alors, est-ce que t'as couché avec quelqu'un à Ville d'Or? Merde. Bah on répond à la question. Bah on répond à la question. Non. T'es sérieux? Ah donc ça veut dire que on aurait pu le faire alors. Des critères. Non, tomber amoureux en premier et tout le tralala. Ouais, bah bonne chance. Je pense, hein. Tout le monde n'est pas comme j'ai toi. J'ai l'impression que ça fait un récapitulatif de notre aventure jusque-là. Ça pourrait être cool, ça. À toi. Non, je pense que c'est juste du veux t'entendre jouer. Va te faire foutre. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je boirai. Laisse tomber. Jouer quoi, de la flûte? Tu joues d'un instrument? Peu importe, je m'en fous. J'ai bu. On continue. Moi je veux savoir. Elle jouait du ukulélé. Vraiment? C'est grave-t-il le ukulélé? Les gars, on continue. Aiden, tu joues pour Rove et... Je te mets au défi de demander à Rove de chanter. C'est... affreux. Bah on lui demande. Vas-y chante, hein. De toute façon on est là pour rigoler. Hein. Action. Écoutons cette voix, Rove. Tu l'as cherché. Ensemble, nous resterons debout. Ensemble, nous allons tomber. Notre amour a été le plus fort. On dirait toi. Le plus fort. Nous de sommes tous. Les autres pirates. Nous sommes ensemble. Et tous les rires que nous partageons. Moi, je trouve ça va. Oh, bon Dieu, tuez-moi. Tuez-moi avant d'avoir à entendre une autre note. Waouh, mec, c'était quelque chose. Ça suffit avec ces conneries. Tu veux poser une question au maître assassin ici présent? Je me suis toujours posé des questions sur cette liste de cibles. Tais-toi, Rove. C'est pas ton tour. Comment ça me demande? Est-ce que je suis dessus, moi? Les deux questions sont intéressantes, hein. Ouais. En gros, la fameuse liste, en gros, soit on en apprend plus de manière générale, soit on en apprend plus de manière waltz. Tu vois? Ouais, mais ça se trouve, elle va dire « Oh, je me suis réfugié au bar et j'ai attendu. » On fait quoi? Bah, la liste de cibles. En vrai, moi, je serais parti là-dessus. Waltz? En vrai, qu'est-ce qu'elle a fait? On s'en fout. Je crois qu'elle m'a parlé de waltz. La liste en général de cibles. Comment ça a commencé? Par un bâtard qui a dû payer pour ce qu'il a fait. Ça a commencé avec une cible. Puis il y en a eu une autre. Et puis tout un tas. Mais qui a été la première cible? Ça, c'est une autre question. Bois. Non, il te fait juste répondre à la première question. Qui se soucie de ce qu'il a demandé? Ça a commencé bien avant ça. Quand j'ai échappé à Waltz, Frank m'a aidé. Il m'a montré que je pouvais faire autre chose de cette colère que j'ai en moi. À l'époque, je pensais aller rejoindre. Être un traceur nocturne. De qui est-ce que je me moquais? Ils ont été anéantis à la tour VNC. Frank a perdu presque tout le monde. Les traceurs nocturnes sont tombés. Et Frank a commencé à boire. Il a renoncé à la vie. À lui-même. Et donc... je ne suis pas un traceur nocturne. Mais au moins j'ai ma liste. Bonne nuit. Il est 8h, madame. J'ai posé la mauvaise question. C'est la beauté du jeu, pèlerin. Tôt ou tard, tu tombes sur la mauvaise question. À bientôt, j'imagine. On n'a même pas bu dans l'histoire. Oh, je te jure. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me servir un verre quand même, parce que... Pouvez-vous laisser les restes de verre, s'il vous plaît, pour nous? Non, mais... Ok.
Bah tiens, il faut lui parler à lui qui était derrière, qui a sûrement tout entendu et qui va faire genre il a rien compris. Alors, ça s'est bien passé. Ouais. Alors, cette conversation au bar. Alors que frère, il a deux mètres. Voilà. Merci. Merci pour la vodka. Merci. Buvons. À moi et à une nouvelle année dans ce trou à rats. En fait, il y a des petites poches d'herbe et tout, là. Tu sais. Tu t'échauffes enfin pour moi ? Non, c'est juste qu'il y a des trous du cul bien pires. Et que je suis saoul. Où est Lawan ? Je l'ai vu avec toi. Non mais... On a joué au jeu et j'ai posé la mauvaise question. Voilà, tu vois. c'est ça aussi un des problèmes du jeu. C'est un des problèmes du jeu. Gadjo. En fait, au bout de 3 heures de jeu, on a réussi, toi et moi, à décrire tout ce qui allait nous attendre. Et je te dis ça parce que je t'aime bien. Je sais même pas pourquoi je te dis ça. C'est parce que t'es sous. Mais jamais. Ne pose jamais de questions sur le passé à Lawan. T'as compris ? Bon. Maintenant, dégage. C'est mon anniversaire. Tu veux pas d'amis ? Ne bouge pas, Fufu. Non mais les gars, sincèrement, il faut comprendre que ça, c'est un grave problème de cohérence. On était... Elle était ici. J'étais ici. Il était à max 1m50. Il a donc tout entendu et tout vu. Et il est là, où est Lawan ? Ben, pourquoi as-tu posé des questions ? Qu'est-ce que t'as posé comme question ? Mais t'es à un mètre ! À un mètre ! Oui, tu vois ? Non, mais c'est comme... Il était sous et inintéressé. Oui, et l'épisode qui dit « Va voir Lawan, elle est derrière. Va voir Lawan, elle est partie là-bas. » Alors qu'elle était derrière depuis le début, tu vois ? Non, mais c'est... Oui, c'est non, ça a été drôle. C'est con. Alors, non, on prend ça à la rigolade. Mais les gars, quand même, c'est des erreurs que tu fais pas, ça. On parle de Techland, ils ont beaucoup de jeux à leur actif quand même, les man, tu vois. Donc voilà, c'est rester sur le passé, sur certains détails. Ben, le jeu fait très vieux, hein, en vrai. Hein. Attention, quand je dis très vieux, je parle. C'est dans pas la de... mécanique. C'est voilà. Pas dans le. Les vieux jeux sont pas forcément mauvais, mais ils ont des mécaniques d'époque qui, à l'heure actuelle, on ne voit plus trop, quoi. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est dommage. Les gars, je rappelle que c'est quand même Dead Island. Et Dead Island, on l'a saigné, les gars. C'est trop bien. D'ailleurs, j'aurais kiffé un Dead 31, Island. 3, hein. 29, 28. Ah, bah, c'est là. Ah bah c'est là. Frérot, quand tu... Ouais, voilà. Hop, je suis blessé. Mais quand... Ah non. C'est la nuit. Je suis un menteur. Si ? Non, regarde. 18, 17, c'est bon. 13, 12, 11. Non, 19, non, c'est c'est là-dedans, dans cette bâche verte. Oh non. Bah tu sais ce que c'est, ça ? C'est la nuit. C'est un truc qui va nous demander un épisode complet ? Ouais. Note-le, non ? On peut le noter sur la carte ? J'allais te dire par oui, exemple, truc con, hein, j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire nos notes personnelles sur la carte, tu vois ou pas ? Genre en mode checker ça, tu vois, on met un point de repère en mode c'est con, on y aille. Hein. Mais comme Elden Ring. Bah non, mais comme la plupart des RPG en fait. Oh. Hein, Oui, je veux dire, c'est que par exemple dans Elden Ring, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait t'as 100 points de repère avec des icônes différentes et en fait la carte ne t'affiche rien. Et en fait, si tu veux savoir si t'as fait quelque chose. Okay. Le seul moyen que t'as de le savoir, c'est de toi-même te dire « Ok, ça j'ai fait. » Et tu sais, tu mets des petits repères et tout. Et moi, j'ai mis genre une soixantaine de repères sur la carte en mode « Ok, là, il y a une tortue. Ok, ça j'ai fait. Ok, bah là, ça j'ai pas malheureusement, fait. On peut même pas mettre de repères. Bon, j'ai mis un icône, moi. Voilà, enfin, mets une icône. Il y a un lit, là, remarque. Viens, on va au lit, comme ça, on le fait. Non ? Ouais, vas-y. Au lit, il est juste... Attends, il est où Fais du skate ? Pareil, hein, leur boussole, c'est terrible, c'est un enfer. Hein. Là, j'ai marqué le repos. Où on le voit ? On le voit pas. Attends, mais 73 mètres, c'est le point bleu, là ? Ouais. 70, 65, 64. Moi, ça me dit... Attends. Là, je vais faire suivre. Non, mais attends. Je suis fou. Attends, le point vert. Là, il y en a un, là. Safe here. Ok, c'est là. Là. Voilà, j'ai mis un... Mais gros, j'ai mis un point de repère, il apparaît nulle part. Ni sur la boussole, ni à travers. Non, c'est en fait, ça t'es là. J'arrive, je l'ai vu, t'inquiète. Merci, Michel. Non, je suis tombé. Donc voilà, mais on va pas se pencher 8 ans. T'es tombé, t'es mort. Non, c'est bon, il me restait... On va pas à tourner avec nous, parachute. On va pas focus les défauts. Allez, je répare. Hein.
Mais voilà, au moins on a dit ce qu'on avait à dire et c'était le principal parce que mine de rien, depuis 20 épisodes, vous vous faites un malin plaisir en commentaire de dire ce que vous avez à dire. C'était normal qu'on ait un droit de réponse, comme on dit dans le milieu. Exact. Allez, on se repose et on va aller sur le grand bâtiment et on va aller le faire, évidemment. On va aller s'arrêter juste en haut et on va avancer un petit peu parce que les gars, quand même, je suis pas... C'est vrai qu'on a perdu 10 minutes juste à discuter et je sais que beaucoup ne regardent pas nos vidéos pour ça. Je peux comprendre parfaitement. Oh, la lampe pétante. Ça, c'est par là, monsieur. Ouais. Où ça? Attends, attends, j'essaye de... Oh, putain. Ah, là, je vais rien dire. Oh là là. Là, c'est là. Hop. Allez. Allez, j'arrive, monsieur fédéral. Ah bon, on oublie pas la petite roulade. Ah bah non, on peut pas. J'ai pas vu, j'étais là, là, attends, on est dessus. Ah, c'est en face, ici, là. Parce que là, il y a un inhibiteur aussi, hein. Oui, mais c'est celui qui est dedans, là, qui capte. Hop. Regardez. Hop. Hop. Attends, t'es où, là? Ton panneau d'affichage. Je placarde. Non, mais non. You can do it. Oh, Fufu, il dit quelque chose. Vous devez sauter. Envoie-moi du sucre dans la gueule. Peux-tu pas te jeter une corde? Oh, ça aurait été ouf. Ça aurait été ouf. Et en fait, ma plus grosse déception, c'est qu'ils ont vraiment énormément discuté du mode coop. Le jeu jouable à 4 comparé au 2, au 1 qui était jouable à 2. Et tu sais, ça faisait rêver quand même. Et tu te rends compte que le jeu n'est pas du tout, n'est pas du tout conçu pour jouer en coop. J'ai regardé des vidéos... de gens qui jouent à 4. Il apparaît maintenant le repos que j'avais signalé qui était juste au-dessus. Très go. Qui joue à 4 et c'est un peu le bazar à 4. Oui, bah tu m'avais déjà dit ça, je crois. Tu m'avais dit que c'était le bordel dans un épisode. Allez. On va faire un ou deux étages. Bah en vrai, on va pas perdre trop de temps car la nuit passe vite. La nuit passe, évidemment. Et le temps passe et passe et passe aussi. Ouais. Et nananananananan. Et beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Et qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Eh ben, Jackie et Benji. On fait le bilan calmement. Trop mémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans, je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah écoutez, il faut bien se mettre. Allez-y, tirez. Faites bosser votre tête. Je vais... Tu me fais beaucoup bosser, hein. Quoi? Les doigts, ils sont déjà réveillés, frère. Alors attendez, j'ai un katana. La fureur du dragon! Ryuji no Kenobara! Mais on vient de se faire baiser, tout le monde s'est réveillé alors que. J'ai juste ouvert la porte! Ah, Fufu, il est dégueulasse! Appelle-moi Genji! Quand j'ai un sabre de samouraï, vous m'appelez Genji. Ok, y'a de la résine, je pense que c'est pour faire du mouvement combat. Sors ton molotov, Fufu! Il sauve au trio! Attends, mais j'ai peut-être un katana légendaire. Hop, ça dégage. Oh bah, c'est toi qui brûle, rien à péter. Je me roule par terre. Rien à péter, mais au moins... Le feu, il fait pas assez de dégâts, je trouve, hein, frère. Bah, il fait des dots sur le long terme. Et c'est vrai que si tu veux éliminer tout de suite quelqu'un, c'est compliqué. Craft de la... T'as pris la résine derrière? Craft du Molotov, hein. Il va nous en falloir, je pense. Undercove? Ouais, Mojinova. Tiens, regarde, alcool et tout, c'est pas pour rien. Crame du Molotov. Hop, fabrication. Voilà, hop. Je vais faire et fabriquer Max. Chez toi aussi, quand tu vas dans le menu, c'est assez lent, en vrai. Oui, bah c'est pour okay. Ça, c'est optimisé souris, tu sais, c'est les menus à la Destiny et tout, avec le curseur. Non, mais tu sais, quand t'appuies au milieu, c'est lent à apparaître. Ah, en fait, il faut que tu... Il y a un truc des options pour faire un clic plutôt que maintenir les touches. Non, c'est pas ça que tu parles? Non, c'est... Ah, je parle pas par là. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous ne comprenez pas, monsieur. Laissez-moi tranquille. Bah, on va prendre quoi? On va prendre ce Katner. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas se recharger notre rendu en se flashant la gueule. Je suis tellement dégoûté de savoir que j'ai déjà perdu mon katana alors que je l'ai même pas utilisé. Comment on flash? Comment on utilise le motor? Attends. Bah, flèche de gauche, gros. Tu l'équipes. Voilà. Après, faut maintenir L2 enfoncé. Ok. Mais tu sais, on a la lampe UV là. J'y suis, je projette. Oh putain, allez-y monsieur Hugo, je vous encourage et je vous couvre. Je vous couvre. J'y suis bientôt, Fufu. I cover you. Voilà, c'est bon. Ok, c'est quoi ça? Oh, c'est juste une caisse de petits trucs sympas. Nouveau de jogging, stuff. Gros.
Hop, la lumière UV. Ah, brûlé, salaud. Oh putain, attends, je pense à le mettre. Oh. Tout très bien ici. Ah, lumière UV, brûlé. Lumière UV, brûlé. Tu ne marches pas sur nous, bien entendu. Mais ça fait rien, la lumière UV, on est d'accord? Si, ça les sonne un peu, genre... Mais non. Si, si, regarde, ils se prennent, si, regarde, ils ont de la fumée sur eux, ils sont genre, oh mon dieu, je fume. Attends, laisse-le-moi lui, laissez-le-moi lui. Ah si, ouais, d'accord, okay. Parce qu'au début, quand... Oui, j'en ai pas peur au début. Quand les mecs étaient dans une animation, ça faisait pas grand-chose, tu vois. C'est salaud. Brûle. Brûle, brûle, Babylon, brûle. Ok. Bah vas-y, on fout tout, hop. Il est à l'inhibiteur, il est juste ici. Va falloir qu'on avance. Attends, mais ils ont combien d'HP? J'ai l'impression de me taper avec une frite de piscine, genre. Je te jure, c'est un katana. Hein. Et moi, il est légendaire en plus. Bah moi aussi. Attends, j'ai une grosse hache. En plus, ça fait mal au dos avec la gâchette à la tête. Ouais, 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 c'est ça. T'es là, tu dois spammer et tout, et la gâchette à la tête, elle fait mal, quoi. Ok, vite. Vite, vide, pardon, okay. Et non vide. Laissez-moi crocheter. Verrouiller de l'intérieur. Ok, là on est pas mal, ça, on ouvre, voilà. C'est ouvert. Bien joué, Michel. T'as été le meilleur. Allez, régale. Oh, inhibiteur. Ok, un seul, comme d'hab, normalement devrait en avoir quatre. On est pas mal. On va se mettre quoi? Encore en dur, hein? Parce que dans le jeu... On bah en a non, jamais mais... assez. Attends, je prends un petit coup d'inhalateur, monsieur Mubray. Ouais, t'as pas tort. Je vais prévoir ça au cas où... Bah t'es descendu par où? Là, faut prendre l'ascenseur, là. Voilà. Ouais. Bah je suis dedans, non? Voilà.